Ok, donc là on a toujours le son en fond, mais je peux le gérer. Et le jeu, par contre, nous ne l'entendons point pour l'instant. Oui, je crois que ça fonctionne bien. Eh bien, je vais faire la gestion des paramètres et on arrive. Alors, juste bonjour, vous êtes dans une renaissance de stream. Bienvenue. On essaye de faire des trucs. On n'a pas beaucoup de temps. En fait, VoiceMeeter, il a totalement abandonné. Alors, attendez. Est-ce qu'on a la musique? Oui, on a la musique. Et sur la bonne playlist. Oh, c'est incroyable. Bon, alors, attendez. On va couper le son. Je crois que j'ai un deck grâce à StreamerBot. Bonjour, StreamerSon. Oui, toujours en nocturne actuellement, comme tu as pu remarquer. Je crois que j'ai réglé les problèmes de son. C'est un peu n'importe quoi. Voilà. J'espère que vous m'entendez bien. Je vais faire comme si ça marchait. N'hésitez pas à réagir dans le chat si ça ne marche pas. Je suis en train de faire les gestions de. D'à peu près tout. Parce que StreamerBot, ce qui est bien, c'est qu'on peut faire pas mal de choses. Alors attendez, je vais couper le son. On va enlever le HUD aussi, parce qu'on n'en a plus besoin. Normalement, c'est censé fonctionner. Et du coup, je vais enlever aussi le son. Voilà. Normalement, c'est bon pour vous. Petite vérification. Et le son du jeu aussi, merci, c'est très bien. Du coup, je vais noter tout ça à la fin. Histoire que. Oui, parce que la dernière fois, il n'y avait pas eu de son dans la VOD, mais il y avait les sous-titres. Donc voilà, on a fait un stream. Un stream un peu inclusif, si on peut essayer de le faire, ce qui est un peu dur aussi. J'espère que les sous-titres fonctionnent. Déjà bien. Et le HUD ne s'est pas barré. Et je crois qu'on entend toujours le son de fond. Attendez, j'enlève le micro pour mettre la musique à fond pour moi. Et oui, en effet, vous avez un double son là. Donc du coup, alors attends. Mute-moi ce truc-là, là. Est-ce que ma commande de deck ne veut plus fonctionner, si possible, vu que je suis dans un lointain. Je vais l'enlever à la main. À l'almano, comme on dit. J'espère que vous êtes ici pour pouvoir souffler avant demain, pour pouvoir être actif. Je ferme mes petits dossiers qui ne servent à rien. Car demain, nous rappelons, demain c'est la grève. Il y a une musique de fond, il y a un glinglin à la harpe. Le glinglin à la harpe est égal tout à fait le jeu que nous allons continuer. Et je vais couper tout ça tout de suite. Apparemment, le mute, il a décidé de pas le garder. Voilà. Et là, normalement, on n'a plus de son. Normalement, c'est bon. C'est possible que mon stream deck a décidé de pas fonctionner aujourd'hui. Et l'interface, si je l'enlève, voilà. C'est mieux. La harpe est partie, ouais, parce qu'en fait, la tabulation. Bon, faudrait que je rentre dans le code du jeu pour pouvoir que en fenêtré, il accepte. Mais là, ça devrait être bon. On n'entend plus que moi. Bah, des fois, ça arrive, ouais. Ça m'arrive aussi quand je me parle tout seul. On espère que vous allez bien. Du coup, on va essayer de souffler ensemble. Ça a l'air de fonctionner. Ça a l'air de fonctionner. Je vous vois, vous me voyez, j'espère. Enfin, pas physiquement, mais dans le futur, peut-être on retrouvera la cam. Toujours en direct des poubelles. Hein. Bon, celles-ci, elles sont pas flambées, mais voilà. D'ailleurs, gros soutien hein, pour les éboueurs. C'est le jeu de la dernière fois, exactement. Donc, rappelez-vous, on va faire la suite de la suite. J'imagine que c'est pour recréer le truc en 3D. J'imagine que c'est ça le début. Non? Ah. Attendez. Ah, c'est où que ça coupe? Ça doit être là, hein, à peu près. C'est où que ça coupe? C'est ici? Non, pas vraiment.
Le son du jeu est vachement fort par rapport à ma voix. C'est possible, attendez, c'est possible, j'ai pas modifié les choses. Peut-être que c'est du côté de OBS. Indeed. Donc c'est Vox. Je vais mettre à 20. Alors du coup, ouais, ça c'est des gestions que je dois encore faire à la main. Chose que j'essaye de me débarrasser au fur et à mesure. Normalement, ça devrait être bon là. Mais voilà. Je vais checker. Petit check. Les trucs que j'essaye de faire justement en ce moment. Oui, donc du coup, ce que j'essaye de faire, c'est un peu le. Comme vous voyez, d'essayer de faire un peu de l'entretien de stream, si on peut dire. Dans le sens où chaque année, en fait, j'essaye de casser un peu le stream parce que j'ai pendant 2 ans. Mais celui-ci, il est infini! Pendant 2 ans, j'ai essayé de faire très simplement des modifications constantes et de tester un peu tous les bots qui existaient pour voir quel était le meilleur pour pouvoir streamer et bloquer, etc. StreamerBot, au final, n'est pas le celui que je pensais qu'il était, dans le sens où... finalement, il n'y a pas beaucoup de techniques de modération en plus. Mais en fait, il y a tellement de choses qu'on peut modifier et créer que... en fait, ça me paraît toujours étrange. Je sais pas si c'est du plus grand au plus petit. Peut-être le compte aussi. Au final, c'est pas mal. Moi, je m'y plais bien. Donc, je conseille toujours un peu d'utiliser StreamerBot, histoire 2. Parce que, bon, en vrai, dans l'idée... si vous voulez vous amuser à essayer de faire des choses, c'est vrai que StreamerBot c'est pas mal. Mais après, c'est vrai que si vous voulez quelque chose qui soit un peu plus simple. Oh, ça fait du bruit. J'ai de l'ASMR cuir. Ouais, si vous voulez éviter de vous prendre la tête, c'est vrai que c'est pas le mieux non plus parce que ça peut commencer. Ça peut être le. Une fin de conception, on va dire. Mais pas forcément un début. Voilà, voilà. Bah pourquoi celle-ci ne fonctionne pas? C'est quoi le problème? De toute façon, toutes sont pas fonctionnelles, hein, d'après ce que j'ai compris. Hein. Il n'y en a pas une qui a fait du tut. L'écart qui est pas bon, pas de problème. Ça a l'air d'être l'écart. Ils vont pas me faire le coup de tout à chaque fois là. On voit même pas vos écarts les gens. C'est pas ça. Qu'est-ce que ça pourrait être? Qu'est-ce que ça pourrait être? Un rangement différent, mais je vois pas quoi. L'utilisation, par exemple. Genre ça, c'est celle à café, j'imagine. Non, pas ça. Ça, c'est quoi, d'ailleurs? Est-ce une cuillère, ce truc? C'est pour doser, quoi. Parce que ça, moi, je connais des trucs pour doser qui ressemblent à ça, mais qui sont pas vraiment... c'est du microgramme, là. On n'en est plus à... Voilà, voilà. Et si vous avez... ah oui, c'est ça que j'ai oublié de faire. J'étais tombé sur le thread de Valkia qui faisait tourner les trucs de caisse de grève. Hein, chose que, malheureusement, j'ai oublié de faire. Est-ce que je vais pouvoir le faire manuellement, comme ça, et le trouver assez rapidement? Sachant que je sais que c'est un peu le seul truc, c'est ce que je disais à Valka d'ailleurs dans le stream la dernière fois de je sais plus qui. C'est que c'est cool, c'est un peu grâce à son taf sur Twitter que la timeline est encore vivante. J'en peux plus de leur bug nul. Hein. En plus... là, c'est une fois sur deux, on voit qui a retweeté et d'où vient l'origine du tweet.
J'ai envie de me kill des fois. Ça me fatigue. Voilà, voilà. Bon, en tout cas, si vous ne trouvez pas, comme moi, je ne trouve pas, c'est sur Twitter. Hein. Faut les empiler. Ah, peut-être, ouais. Je vais essayer ça. Twitter. Je crois que. Non, c'est TW. Non, c'est pas TW, je sais plus. J'ai abandonné Twitter, c'est fini. Ah, j'ai peut-être enlevé la commande Mastodon. Ou 12 bis, c'est barré. Mais si, c'est ça, en fait, 12 bis, c'est barré. 12 bis n'est pas dans le chat. Attendez. Mais si, il l'a vu. Il l'a fait. Est-ce que vous voyez l'appel? Je vois plus de 12 bis. Apparemment, il a été kill par Twitch pour moi. Bon, on empile. Hein. On va tester. Oui, c'est ça. Ça a l'air d'être tout à fait ça. C'est vrai qu'il y a une technique comme ça qui permet de ranger les cuillères en empilant. Bravo, Strayers. Donc ouais, je vais essayer de trouver ça aussi juste après l'histoire 2. Donc là, c'est cassé. On va faire un jour qu'on cache la misère, c'est ça l'histoire? En redessinant, bien sûr. Parce qu'on est des gens comme ça. Hein. Attends, 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 attends. Qu'est-ce que tu me racontes là? Voilà. Là, on est bien. Ah, mets-toi un petit peu plus sur le côté. Hop. On a commencé par le haut. On n'aurait peut-être pas dû. Non, mais après, tout se suit. Ah, mais faut recréer la fêlure. Is that serious? Est-ce que c'est la fêlure qu'il faut recréer? Mais oui. Nous y sommes. Ouais, sur les caisses en grève. Ouais, en fait, j'avais besoin de ça. Parce que je me suis dit. Je vois pas grand monde finalement sur Twitch faire tourner les caisses de grève. J'ai vu Maudit le faire en Twitch épinglé. Moi, j'ai pas testé en plus le Twitch épinglé, donc ça me permettrait de faire les deux. C'est vrai que c'est pas bête. Où est la cassure? Voilà, merci. Et donc, du coup, en bas, on est là, je crois. Hein. Voilà, c'est parfait. Et maintenant, on cache. Non, c'est pas ça. Je sais pas pourquoi je vois pas les liens. Très bizarre. Je vois pas les liens sur mon stream. Ouais. C'est possible que ce soit bloqué aussi, Strigan. Donc fais attention. J'ai pas enlevé encore Wisebot et compagnie. Attendez, je fais vite fait une sortie Twitter. Vite teuf. Histoire que je check. Si je trouve vite fait. Je crois que J'avais fait un truc vite fait la dernière fois, j'avais réussi à trouver direct. Je sais plus comment, je sais plus ce que j'avais trouvé. Comment j'ai fait? Je ne sais plus. Comment j'ai fait? Ah non mais tu vas galérer parce que ce qui est bien avec le taf de Valka, c'est que c'est un gros suivi. Et j'ai vu remonter tout à l'heure. Je croyais que je m'étais sauvegardé, mais en fait pas du tout. Parce que Twitter s'est mis à jour, enfin s'est mis à jour, s'est relancé, vous savez, là, ce qui se passe actuellement quand vous vous baladez dans la timeline et que en fait, il vous dit nick, et en fait, tu reviens tout au début, et tu te retrouves avec des tweets que tu connais pas et que tu sais pas qui c'est. Et tu comprends pas ce qui est écrit parce que, en fait, t'étais en train de lire quelque chose. Donc, nick, quoi. Voilà. Est-ce que vous voulez une petite chanson de tout cramer en attendant? C'est possible aussi, encore hein, se mettre de la musique en attendant. Petite musique d'attente. Vite teuf. Alors attention parce que faut que je fasse gaffe. Je sais que moi je me suis DMCA direct sur ma chaîne. Donc on va pas faire comme ça. Hop, 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 voilà. Dites-moi si c'est trop fort, c'est possible. Mais en attendant. Je voulais la mettre, à un moment il fallait la mettre, hein, je pense. Il faut la mettre de temps en temps, vu que on est dans un moment de repos, bien entendu. Ah, ma voix est plus basse. Ouais, mais c'est ça, c'est les personnes bloquées, les personnes masquées, j'en peux plus. Même Elon Musk est revenu, quoi. Revenu d'entre les morts. Oh, t'as tous les. T'as tous les. T'as tout. Oh la chance. T'as vraiment tous les. Les 25, c'est déjà passé en plus. Oui, il y avait la marche à Paris.
contre la loi immigration de Darmalchan. Alors, où est-ce que je peux trouver ça? Je l'avais trouvé tout à l'heure, j'en peux plus. Oh là là, mon Dieu. Je vais pas trouver. Et bien sûr, regardez bien cette porcelaine, hein, bien entendu, vous pouvez lancer un pavé dans la mare de cette porcelaine. Hein. Je vous l'ai pas dit, mais il y a des nouvelles commandes aussi. Je ne sais pas si elle est visible. Non, bah non, parce que l'interface est non visible. Avec l'interface, ça peut marcher. Logiquement, le pavé devrait apparaître. Si ça fonctionne quelque part, non, pas du tout. Bon, il y a tout qui est cassé, de toute façon. J'ai bien compris. Peut-être qu'il y a un accent dans cette commande. Attendez. Est-ce que je peux essayer? Le pavé voxel, ça s'appelle. Je me suis amusé à montrer comment il fallait faire en voxel, donc un pixel en 3D. Ah, qu'est-ce que c'est qui? Ah, Technoflic. Bah, bien sûr. Oui, non. Bah, non, en fait. Attendez, je sais ce qu'on va mettre comme musique qui va être DMCA aussi sur cette chaîne. Incroyable, on va mettre. Voilà, une bonne musique qui explique aussi l'actualité, on va dire. Ah, tu claques toutes tes vidéos toi-même, bravo. Sur Twitter, mais bon, je vois les tweets de personnes qui m'avaient bloqué. Ouais, non, mais en fait, c'est, alors, je ne l'ai pas trouvé, hein, bien entendu, hein, sur le truc, mais il faudrait trouver incessamment sous peu. Peut-être le prochain, du coup, je préparerai ça parce que. Voilà. Je vais enlever l'interface et on va reprendre le jeu. Je vais enlever le son du jeu, hein, histoire qu'on écoute cette chanson magnifique. Voilà. Bonjour Ménédil, j'espère que tu vas bien. J'essaie de trouver cette manière de gérer le truc là, mais là, je pense que c'est la cassure, mais je trouve pas en fait. Ça veut pas accepter la cassure. Je pense que c'est le bas qui déconne. Bon, je vais essayer autre chose. Hein. On arrête la cassure. On fait le dessin. Mais il y a un problème avec la dernière en fait. Hein. Si, c'est celle-ci. Est-ce que ça c'était bien? Oui. Ça c'est bon, ça c'est bon.
Bah, on y était là. Ça n'a pas l'air parfait comme histoire. Il y a un truc. Ouais, ici là, la deuxième. Il y a un truc bizarre. Voilà, c'est bon. Bon, j'espère que ça va. On va arrêter le made in. Et je vais vous remettre la musique du jeu. J'espère que vous avez bien aimé ce petit passage. Ce n'est pas la faute de aux allumettes, bien entendu, actuellement, je pense que ça joue. Bon, là, est-ce que c'est les mélanges? Je ne sais pas. Ah non, c'est juste, on va devoir faire une petite dune. Une petite dune du Pila, là. Je n'ai jamais vu de ma vie. J'imagine que c'est beau. Voilà. Ça, c'est bien, là, ici. Déjà, c'est bien rangé, là. Là. Non, c'est pas celle-ci. Celle-là. Non, ça doit être celle-là. Hein. Bah non. Comme ça. Et du coup ici. Et là c'est pas mal. Et là peut-être. Non. Riot Bass, ça m'a réveillé. Je suis désolé, je voulais justement que ce soit un peu calme. Pour pouvoir un peu souffler en ce moment. Parce qu'on en a besoin, hein. Faut pas oublier qu'il faut souffler. Par moment pour reprendre si je peux un peu vous permettre ça c'est cool. Bon, il y a un truc hein. Il y a un truc il veut pas mais il y a un truc. Est-ce que je peux les monter? Même pas. Donc on veut pas les monter. Bah tant mieux. Cool. Tac 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 tac. Là c'est pas mal ici. Pourquoi ici ça déconne? Je pense qu'il y a un truc que je n'ai point loupé, que j'ai loupé. Mais on peut pas les monter, hein. Oui, toujours pas. Est-ce qu'on doit rattraper ce truc-là? Parce que ça, c'est une grande question. Est-ce qu'on doit rattraper là ou... Je pars sur la lecture occidentale, hein, mais c'est vrai que ça peut être une autre lecture. La lutte, c'est de l'endurance. Exactement, faut savoir souffler. Ouais, bah je sais qu'il y avait eu... Ça avait tourné, donc du coup, histoire de... Je sais plus comment j'avais fait... En tout cas, j'avais réussi à trouver, je sais pas comment j'ai fait, je check, mais j'avoue, j'ai pas checké sur les envois que j'ai. Je m'envoie des gens. En fait, je m'envoie les propres trucs que je trouve pour pouvoir les garder de côté. Donc c'est possible que je me suis envoyé quelque part. Ah ouais, il y a un truc aussi qu'il faut que je vous fasse tourner, attendez, parce que je suis tombé sur la vidéo de. Alors Foldable Guy, si vous ne connaissez pas, sur YouTube. Qui avait fait une super vidéo sur les NFT de l'enfer là. Je précise de l'enfer pour pouvoir bien me placer par rapport à ce truc. Et du coup, je pensais qu'il avait fait une longue vidéo de 2 heures et quelques sur montrer à quel point c'était de la daube. Et en fait, il a continué. Il a continué. Du coup, là, il y a une nouvelle vidéo sur le métaverse. Et donc, du coup, la suite entre la crypto et la tech. Ouais, oui, c'est Sainte-Soline, ça a fait du mal. Du coup, faut reprendre là parce qu'en fait, ils sont en train de l'utiliser justement pour niquer le moral. Donc, c'est complexe. Et donc ouais pour l'histoire de je continue sur ma bêtise hein, mais sur le mais je pense que ça c'est pas mal là pour pouvoir recommencer donc pour continuer dans ma bêtise dans donc ça s'appelle Decentraland et le métaverse Decentraland qui est du coup un endroit virtuel soi-disant dans le métaverse géré par les crypto bros et les NFT là. Les NFT guy.
Et du coup, ce qui est incroyable, c'est que j'ai commencé, je me suis endormi dessus, hein, après, c'est 1h40 quand même. Ouais, c'était vachement intéressant parce que ça parle de plein plein de choses, encore une fois, et je vous le transmets. Parce que celui-là, je l'ai gardé de côté, malheureusement. C'est le genre de choses où faut te faire tourner les informations parce qu'en fait ça bouge beaucoup de ce côté-là et ça fait énormément de mal aux petits créateurs. Donc voilà. Voilà, c'est à quel point le métaverse a cassé les trucs. En fait, j'ai pas fini, mais je soupçonne la fin, c'est-à-dire l'abandon de Facebook, parce que l'abandon de Meta. Du métaverse, parce que c'est ce qui est en train de se dérouler aussi du côté de Mark Zuckerberg. Parce que, en fait, ça a été un appel du pied pendant énormément de temps pour dire ouais, regardez, ça marche, alors qu'en fait, pas du tout. Et qu'en fait, tout le monde a fui le game très rapidement. Et sachant qu'en plus, là, il y a eu. J'ai pesté dessus. Mais là, c'est bien ça! C'est ici que ça déconne. C'est ici que ça déconne. Vas-y, moi je veux monter là. Pourquoi ça déconne ici? C'est les grains peut-être. Vas-y, on va essayer les grains. Mais c'est pas les grands. Que je vais retrouver ce que j'ai vu, mais je sais pas. Je sais plus ce que je disais, mais. Ouais, qu'en fait, c'est une grosse fuite. Ah oui, il y a eu le NFT Paris. Quel enfer. J'ai pesté dessus. Mais ça y est, il a trouvé. Mais du coup, c'était quoi le problème? J'ai fait une bêtise quelque part. Je sais pas où. Mais voilà. Ça, je connais un peu. Faut les ranger. Comme ça. Non? Comme ça? Je connais. Pour éviter qu'il se casse. Ouais, du coup, NFT Paris, là, j'ai vu des trucs, mais quel enfer. Ah, bah tiens, c'est encore un rangement par taille. Non, c'est pas ça. Ouais, le bruit est trop bien, par contre. Je sais pas si vous l'avez le bruit, mais enfin, ça fait des petits claquements, hein, c'est vachement plaisant. Ah si vous l'avez, c'est cool. Je sais pas quel est le plus grand entre les deux, mais je crois que c'est les trous sur les côtés en fait, non? C'est pas ça? Moi qui complexifie ou c'est les intérieurs, la manière dont c'est foutu? Ah oui, il faut les jeter ça, j'avais oublié qu'il faut jeter. Faut jeter, bien sûr, parce qu'on nettoie. Hein. C'est pas trop fort, c'est super. Parce que c'est quand même. Moi, je l'ai un peu plus fort. Hein. Et maintenant, on peut ranger. Donc, du coup. On a mis celle-ci, il a dit c'est bon. C'est lequel qui a été validé là? Le bleu? Ah non. Ah, c'est ça. Oh, ah, c'est rigolo. Je m'y attendais pas. Donc du coup c'était bien les trucs sur le côté. Ok, le bleu. Ouais, ça va peut-être le bleu là. Non, c'est pas le bleu. Ah mais moi les espaces comme ça. Hein. Pas fort hein, ça. Quoi ça? C'est celui-ci? Non. Bon, on va continuer par là. Hein. Vu que j'y arrive pas. Ça par contre, je l'aurais jamais rangé comme ça. De toute ma vie, je l'aurais jamais rangé comme ça. Je pense que là, c'est un trop gros game là pour moi. Mais celui-là, ça rentre pas ça, ici. Non. Ah, peut-être si. Voilà. Du coup. Celui-là, il va être là. J'ai pas trouvé un Fred, mais plein de tweets avec caisse de grève. Il est cool ce jeu. C'est quoi le nom? A Little to the Left.
C'est un tout petit peu à gauche. C'est pour des un peu soufflé. Et j'aime bien les petits jeux jolis comme ça, où ça demande pas trop de gameplay, on demande pas du skill, on demande juste un peu du jot. Et c'est vachement cool parce que moi j'aime bien le truc un peu chill comme ça. Sachant que après je suis censé faire quand même du Jet Set Radio 2 avant Cyberpunk Bomb Rush là. Donc apparemment faut les ranger hein, d'après ce que je comprends. Je les mets déjà dans leur case, on va dire. Ok. J'espère que c'est pas par nom parce que je crois que je vais pas y arriver. Peut-être épaisseur. Combien il y en a dans le plat, peut-être, ça compte ça. A little to the left. Et ce qui est intéressant, c'est que je crois qu'il est. Il est pas très lourd. Ça, c'est toujours bien. Il demande pas de connexion. C'est encore mieux. Il n'y a pas de DLC pour l'instant. J'espère qu'il n'y en aura jamais. Je sais pas si celle-ci c'est traître un peu, non? C'est comment dire? C'est censé être plus long, ça. Par épaisseur. Ah, pas bête. Mais du coup, compliqué l'épaisseur parce que là ça marche ici. Là ça marche. Ça c'est un peu plus complexe. Celle-ci elle doit aller avec celle-ci parce que c'est plus ou moins les mêmes. Celle-ci aussi. Celle-ci aussi. Non, c'est longueur. Ah, c'est de la longueur. Oh, c'est la longueur. Je sens que c'est la longueur. Celle-ci, est-ce que ce serait pas plus long? Ah. Non. Celle-ci, par contre, elle est plus près. Elle doit être là, normalement. En fait, celles qui sont torsionnées, elles sont forcément. Par hauteur, ouais. Je pense que c'est quand tu les déplies. Combien t'as de pâtes à manger en vrai? Bon, on va en trouver une au hasard, parce que c'est ma technique. Il faut écrire quelque chose, on va écrire cool. Voilà, on a écrit cool. Est-ce que c'est un gain? Non? Là, il y a bien écrit cool, on est d'accord. Hein. On va interchanger ces deux-là pour être sûr. Non? Bon, c'est pas ça. Donc, celle-ci, clairement, elle est après. Celle-ci, elle est forcément là. La technique du bleu est toujours fonctionnelle. On m'a reproché. On m'a dit qu'il fallait lire les tutos des fois. Là, il n'y a pas de lecture, donc c'est toujours bien. Non, mais celle-ci, par contre, je suis désolé. Hein. Là, on est revenu sur nos bases. En fait, c'est ça le truc, c'est que les choses ne sont pas forcément rangées telles qu'on le pense, en fait. Ça se trouve, il faut toutes les cacher dans celle-ci. On les prend, on les cache comme ça. Et après, on mange un gros roll de. Je sais pas comment ça s'appelle. Alors, déjà. C'est pas de la discrimination visuelle sur qui a combien de lignes et qui n'a pas combien de lignes. Hein. Cannelloni. Voilà, c'est vrai que c'est. Je crois que c'est ça le terme. J'ai un peu du mal. J'avoue avoir un peu du mal. Vas-y, on va regarder l'indice parce que celle-ci, je vais pas la trouver. Ah. Mais ça, c'est pas un indice, c'est la réponse. Ah oui, d'accord, c'est un écho. Ah ouais, fallait la trouver, celle-ci. C'est un écho. Alors, j'ai dit écho, hein, mais grosso modo. Donc, ça, c'est forcément à droite. Ça, c'est à peu près au milieu. Ça, c'est de ce côté-là, j'imagine. Je comprends pas trop, mais ok. Et du coup, on équilibre. Donc, celle-ci, par exemple. Devrait être là. Ça, je sais pas.
À droite. Droite. Voilà. Et j'ai vu la grande de ce côté-là. Donc du coup, j'imagine que la grande, c'est de ce côté-là et équilibrée ici. Donc celle-ci ici. Donc on commence au milieu. Mais pourquoi ça, c'est au milieu? C'est pas ici. Hein. On commence par le plus petit. On fait un cône de l'autre côté. À plus, Castagnère. Et ouais, bah bon courage à toi pour la nuit, si jamais tu taffes. Et pour demain, si jamais tu bouges. C'est quoi ces indices? On dirait... Oui, il a dit... Alors... je suis désolé, mais moi j'ai une habitude de tout gommer d'un coup quand il y a des trucs comme ça. Donc je suis désolé. Je prends pas du tout le temps de regarder qu'il y a bien écrit presque cool au milieu. Hein. Ok. Je crois que celle-ci, je l'aurais jamais trouvée vraiment. Alors, on n'est pas loin du cool, on a dit. On a, du coup, ça... Ah oui, c'est donc du coup, c'est un peu ce que tu disais, c'est hauteur épaisseur. Donc c'était un peu les deux. On a un problème ici, là, on en a trop. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. Il faut que j'en balance deux de l'autre côté. On va dire celle-ci, hein. Non, pas celle-ci. Parce que celle-ci, c'est trop la taille. Celle-ci, c'est la même taille, donc celle-ci, elle reste là aussi. Et celle-là. Là, il y a un problème ici, parce qu'on va tout de suite trop grand. Celle-ci, elle est... Attends. Bah, tout de suite trop grand. J'ai un problème avec les trois là. L'hélice est torsadée, c'est pareil. Non. Il se va de sérieux? Possible, non? Attends. Mais oui, c'est possible, ça ressemble exactement au dessin qu'on a dû tout gommer. Bravo, 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 Stoyan Larsen. Et voilà, on est remercié par le chat. Oh, le petit... Oh, les petites... Ah oui, d'accord, c'est par rapport à ce qu'il y a derrière. Ah, c'est cool, ça. Donc, par exemple. Bateau. Voilà. C'est l'action avant, l'action après. Alors, ça c'est vachement intelligent comme manière de faire. On est pas loin. Ça, c'est un angle particulier, quand même, là. Hein. Je pense qu'il va falloir que je me repère par rapport aux échafaudages. On n'est pas loin de ça. Faut trouver le... Ah, le bateau, il est là. C'est longtemps avant ou longtemps après? En fait, c'est totalement décalé. Donc c'est plus compliqué celui-ci. Je sais pas pourquoi. Ah, il y a l'oiseau là, peut-être. Voilà, l'oiseau nous a aidés. C'était les oiseaux qu'il fallait prendre. Oh non. On peut casser? Pas casser. Donc là, on est obligé de rester dans l'ordre de l'ordre. Mais il est sérieux ce chat? Excusez-moi, je dois mâcher le bouton parce que le chat elle a décidé d'être. Mais le zbelidé a décidé d'être là. J'ai rien compris les gobelets de l'enfer. Alors c'était par rapport à l'image de fond. En fait, t'avais vu que c'était un verre. Mais je l'ai même pas foutu bien le chat, calme-toi. Vas-y, viens, viens. Il a raison. Hein. Oh non. Oh non, on va falloir trier ça. Alors ça, je suis fort, mais en vrai, je suis pas sûr que ce soit la même. Ah, le bruit de bouche horrible.
Est-ce que c'est par rapport au dessin derrière? Ça, c'est une grande question. J'ai l'impression que oui. Là, il force un mouvement ici. C'est par rapport à quoi? Ah, c'est... Ah oui, d'ailleurs, j'ai compris. Ok. Donc ça, c'est au milieu. J'imagine que c'est un truc qui doit faire une sorte de perpendiculaire miroir bizarre. Voilà, c'est ça. J'avais bien compris. Donc là, il y a des sortes de petits symboles. Donc là, ce serait normalement un triangle quelque part. Alors ça. Est-ce qu'il réagit quelque part? Non, pas du tout. Donc, on peut le mettre là. Hein. L'œuf, on le met au milieu. Ah, il y avait ça en dessous. Attendez. Laissez-moi dans mon délire. 2 minutes. Deal with me, 3 secondes. Encore mieux, est-ce qu'on peut faire une bouche avec ça ou pas? Waouh! C'est clairement pas mes goûts, mais. Ça m'amuse. Bon, alors, par contre, ça a pas l'air d'être ça. Ah! Ah oui, d'accord, ok. Ouh là là, fallait les placer là. Hein. Donc, ça, c'est ici, ok. Les myrtilles. C'est plutôt bien. Ça a l'air bon hein, comme petit déj. J'imagine que c'est un petit déj. Et du coup, je comprends pas, donc on met ça dessus, c'est ça? C'est ça l'histoire? Voilà, c'est ça. Les fraises en biais. Exact. Ouf. Ouf. Ah oui, d'accord. Oh là là. Ouais, c'est bien ce que je pensais. Ok. Donc faut les trimballer qu'avec les derniers. Donc là par exemple, il faudrait que je balance tous les verts ici, que je mette les rouges quelque part. Ouais, donc du coup faut que je déplace les jaunes pour qu'il y ait les rouges quelque part. Attends, c'est quoi? C'est les verts que je fais? Je sais même plus. On a besoin du rouge. On a besoin du rouge. On met le vert là. Non, il y a un truc que j'oublie de faire à chaque fois. C'est... Hop. Là, je peux le mettre là. Ok. Je sais pas pourquoi j'ai décidé... Ah oui, parce que le bas, peut-être que... C'est pour toi, du coup, tu arrives à faire un déclassement? Parce que là... Moi, je suis semi-doué avec ce genre de truc, hein. Ok, donc du coup, qu'est-ce qui pourrait m'aider? On va faire comme ça, hein. On va le mettre sur la droite. Ah mais non, faut que d'abord que je fasse ça, ça, ça. Non. Ah oui, il faut que je mette le vert en deuxième pour pouvoir être sûr de l'avoir à la fin. Ok. Voilà, donc ça c'est fait. Voilà, je pense que c'est bon, hein. J'ai dû faire masse de trop, mais c'est pas grave. I wish you were here. Ah, donc du coup, ça, faut les ranger. Est-ce qu'on a des bons formats déjà? Et il y a les. Ah, mais ça, c'est le frigo, ça. Il y a des rapports de couleurs ou. De dessin, peut-être. Voilà, celui-ci et celui-ci ont l'air d'aller ensemble. Et celui-là. Il y a une histoire d'eau en tout cas. Donc celui-ci pour moi ce serait ça. Comme ça. Il dit rien, hein. Donc du coup j'imagine que c'est pas ça. Ça, cette histoire-là, ça c'est pas mal.
Est-ce qu'on a autre chose? On a une montagne quelque part, voilà, celui-ci peut-être. Donc là, on a un cours d'eau qui part, donc ça devrait être ça. Le cours d'eau, il est dans l'eau, peut-être ça. On a un problème, hein, parce que le cours d'eau n'aide pas du tout. Si c'est l'histoire, en tout cas, hein, qu'il faut faire. Pas sûr que ce soit celui-ci ici, je pense que c'est là en fait, hein. C'est ça la technique, mais je suis pas sûr, donc on va dire que c'est ça, hein. Mais par contre j'ai un problème avec celui-ci. Déjà là il y a la ville. Et là, il y a la ville. On n'a pas de ville depuis tout à l'heure. C'est illogique que ce soit comme ça, par contre. Mais il a jamais dit que c'était bon, hein, ce qu'on a fait. Hein, donc c'est possible que ce soit pas ça, hein, du tout. Bon. Après, j'aime bien. Ça fait quand même un peu. C'est joli, quoi. Ça pourrait marcher. Hein. Ça pourrait marcher, mais le problème, c'est qu'on voit que l'eau ne va pas là. Donc. Je sais pas si tu vois, celui-là il va bien ensemble. Ah oui, d'accord, faut vraiment les faire en sorte qu'ils se touchent. C'est ça l'histoire? Il faut un emplacement aussi, on dirait qu'il bouge encore. Là. Là, ils bougent tous. Donc, ça c'est bon. Après, comment faire? Ça se marche? Non, pas du tout. Ça me paraît logique, hein, qu'il y ait la montagne, mais après, c'est pas forcément ça. Peut-être comme ça. Pour l'instant, tout est faux. Je le reprécise au cas où. Du coup, celui-ci. Moi, je trouve ça très bizarre ici. Par contre, ça, je suis d'accord avec ces deux-là. Ça va bien ensemble. Par contre, le reste. Bon, j'imagine que c'est pas ça. Est-ce qu'on peut ouvrir le frigo pour en attendant? Welcome. Peut-être que c'est par les mots. Welcome, stay wild. Donc, du coup, reste un peu. Greetings from. Voilà, donc greetings. Et après, from Benko Park. Mais là, il y a les avions, donc c'est un peu. Je sais pas. J'avoue, là. Un peu perdu. On va essayer de se faire indicer, mais pas trop. On va faire une ligne de gommage. Ah, mais il y a déjà les réponses. Alors, on va faire une ligne de gommage, mais au bon endroit. Ah, donc du coup, il y a les. Ah, c'est marrant ça. Pourquoi il y a les nuages au milieu? On était bien parti sur le côté, je crois. Alors, du coup, les nuages au milieu, étrange. Du coup, on était bien parti pour ça. Du coup, c'est ça, en fait. Ah, c'est juste l'eau qu'il fallait suivre. Mais quelle histoire! Oui, c'était juste l'eau. Ok. Donc, ok.
Et du coup, ça repart de ce côté-là, comme ça. Et là, c'est loup, balou, quoi. J'y crois pas, ça, hein, par contre. Celui-ci, j'y crois pas du tout. Il y a un truc avec celui-là. Ah bah voilà, c'est un affluent. Ça s'appelle comme ça, mais... Par contre, il n'y a pas de liaison là, clairement. Il n'y a plus de liaison ici. Alors que j'ai vu tout à l'heure avec l'indice qu'il y avait un truc. Hein. Bon, le début est bien, le milieu est cool. On a un problème avec Penco Park. En plus, le pire, c'est que ça va être logique, les... Mais c'est... Bah voilà. Ah, tout a été relevé. Ok. J'ai pas compris pourquoi tout à l'heure, il voulait pas l'accepter. Mais ok. Oh là là, une histoire de couleur, ça. Pour recréer une forme, c'est ça? Passe quoi là? Pour faire descendre les trucs? Faut tout cacher, j'imagine. Ou redessiner les dessins. Il n'y a pas de dessin ici par contre. Bon. Je situe plus ce qu'ils veulent qu'on fasse. Mais le dessin, il sert à quoi le dessin exactement? Parce que là, en fait, ça pourrait redessiner quelque chose avec cette bouteille ici. Mais je comprends pas trop. Quoi qu'il nous faudrait en plus pour pouvoir redessiner quelque chose. Est-ce que si je mets ça ici, par exemple, et qu'après je le mets, non, il passe toujours devant. Donc ça, c'est vraiment celui qui passe devant, c'est celui-ci le dernier, potentiellement. Ça passe devant quoi? Devant tout. Couleur en commun d'un objet à l'autre. Ouais, ça a l'air d'être ça. Par exemple, ça va bien avec la bouteille. Ça se cache bien dans la bouteille. Là, c'est un peu plus complexe. Ce serait quelle taille? Ce serait ici. Ça ferait le carré. On recréerait le carré, par exemple. Moi, je soupçonne que là, c'est le fait qu'il y a un truc comme ça, là, hein, je suis sûr. Mais c'est pas sûr. Là, en tout cas, ça se cache bien. Là. Après... Ah, je sais, oui. Les contours. Donc là, par exemple, c'est pour ça qu'on ne peut pas le sortir beaucoup, c'est qu'on peut le placer là ou là. Donc celui-ci va forcément avec celui-là. Donc en fait, c'est un rangement qu'il faut faire. Comme ça un peu. Ok. Ça, c'est fait. C'est les formes des trucs, du coup. Alors, est-ce que celui-ci, on peut le mettre là déjà, celui qu'on a plus ou moins rangé. Ok. Donc, il me faut un angle. Donc celui-ci, voilà, là il y a un petit... Que ça compte? Non, c'est pas ça. Là c'est des diagonales.
C'est moi, hein. On est d'accord qu'on peut faire un parallèle avec la forme du truc. Par contre, là, les histoires d'angles. Ça, c'est la bonne taille, mais celui-ci. Non, parce que celui-là, il bouge trop. Logiquement, c'est vraiment par rapport à ça. C'est-à-dire que là, on peut faire ça, en fait. Et du coup, est-ce que ce serait pas avec ça en fond? Non? Et là, on a une couleur qui permettrait de mettre comme ça en cachet, mais... Ah, c'est dur, hein. C'est dur. Ça commence à devenir très complexe en final. Alors, bon. Ça marche pas ici. Ici, ça marche pas. Là, ça marche pas. Ça marche que avec, avec le vinaigre, là. Qui, lui, épouse parfaitement cette forme, hein, quand même. Et on peut pas le descendre, ce truc-là. Voilà. On peut pas le descendre. Ça, on peut bouger à gauche et à droite. Donc, du coup, il y a moyen de faire quelque chose avec les deux. Peux pas surélever. Je peux pas reculer. Donc, par exemple, si je fais ça, ça fait la bonne taille. Il y a plus ou moins la même couleur. On peut mettre devant, on peut mettre derrière, je vois. Ah oui! Un nouveau jeu apparaît. On peut vraiment faire des rapports de taille. D'accord. Du coup, ce qui veut dire que si je peux faire ça. Je peux le mettre là devant. Voilà, je peux pas mettre la bouteille de lait devant. Pourquoi? La plus grosse et après on a perdu. Je suis sûr qu'en plus c'est un truc trop bête que je ne trouve pas. Il y a un truc avec la priorité, mais alors du coup, je ne sais pas que c'est pour l'instant. Là, en tout cas, on a une sorte de couleur, de schéma chromatique, et on a du jaune qui réapparaît. Donc là, ça pourrait être comme ça, entre guillemets. On est dans le même rapport de couleur, quoi, mais après. Voilà, donc là, on pourrait cacher par exemple la bouteille et revenir sur le premier plan. Ah, là par exemple on pourrait cacher la bouteille si on fait ça. On a caché la bouteille. Si c'est cacher la bouteille qu'il fallait faire, on l'a fait. Par contre, le jaune. Ah mais on pourrait recréer une bouteille presque hein, ici. Mais... Le jaune, ça c'est une autre question quoi. Je vois pas ce qu'on essaye de nous faire, de ce qu'on nous demande en fait. Je vois pas ce qu'on nous demande. Là, ça fait un... Là, c'est pas mal, hein, en soi.
Le pire, c'est qu'on n'a jamais entendu un truc qui était bien positionné. Donc, du coup, ça veut dire qu'il n'y a rien qui est bon. Il y a des teintes jaunes et bleues plus claires. Ouais, alors du coup, peut-être que moi, je... Il y a des... voilà, par exemple, de ce que je comprends... Après, vous avez une meilleure couleur que moi, je crois. Hein, parce que j'ai fait des corrections lumineuses. J'ai l'impression que là, par exemple, on a un jaune qui est plus clair sur ce côté-là. Donc, est-ce que ça joue? Je ne sais pas. Donc, on va essayer de voir. On va recacher notre truc. Parce que pour moi, c'est juste le fait que ça soit... entre guillemets, arrondi. Parce que si c'était ça... Ouais, je pense qu'en fait, il faut tout cacher dans la bouteille de lait. Je pense que c'est ça. On va commencer par ça. Il y a un truc comme ça où il faut tout cacher dedans, en fait. Parce qu'en fait, on...